Jean-Michel Apaty, vous recevez ce matin le président de Nous Citoyens, Denis Père. Bonjour, Denis Père. Oui, bonjour. Vous êtes un ancien chef d'entreprise, vous avez créé l'an dernier un mouvement politique Nous Citoyens qui présente une liste dans chacune des sept circonscriptions métropolitaines qui, le 25 mai prochain, éliront des représentants au Parlement européen. Qu'apportez-vous de différent par rapport aux listes des autres partis politiques, Denis mais Ce que nous apportons de différent, c'est l'engagement citoyen, le réveil citoyen face à des partis traditionnels qui ne réussissent pas à réformer le pays, qui sont dans le déni trop souvent. Euh, qui n'ont pas de résultats, en particulier sur le chômage de masse, la précarité de masse, nous, euh, on fait les citoyens, on fait s'engager les citoyens dans la vie politique. Et aux européennes, on pense que c'est essentiel mmh. parce que l'Europe est devenue le bouc émissaire favori des partis traditionnels. On en voit les recalés de la politique nationale, euh, des gens qui vont chercher surtout un mandat alimentaire à Bruxelles, euh, qui euh, très souvent n'ont plus de crédibilité non plus à Bruxelles, ils n'en ont pas beaucoup en France, ils n'en ont plus beaucoup à Bruxelles parce qu'ils promettent des réformes depuis des années qu'ils ne font pas. Hein. Bah, c'est au lance-flamme, c'est à la mesure, c'est à à la mesure de la frustration des Français aujourd'hui euh, devant les résultats, devant le surchômage, devant la suradministration, devant euh, euh, la surfiscalité, devant aujourd'hui tout ce qui fait que les Français n'en peuvent plus. Il y, a bon. des, il y a régulièrement des enquêtes d'opinion qui montrent que les Français n'ont plus confiance dans les partis politiques. Il y avait une enquête Ipsos Terrien il n'y a pas très longtemps qui montrait que les Français, il n'y avait que 8% des Français qui faisaient encore confiance aux partis politiques. 92% ne leur font plus confiance. Et pourquoi il faut vous faire confiance à vous Parce que vous êtes presque parfait. Parce Alors, on n'est pas presque vous, parfait. On vous y ferez va juste. Mieux que tous les autres. Non, on est, on est dans une logique qui est différente. On est dans une logique où on n'y va pas pour prendre le pouvoir. Nous, on a tous un vrai métier, de vraies compétences. Nous, on croit que la, la politique en France est hyper professionnalisée. On a des gens qui sont dans des logiques de conservation de leur job, d'emploi, de, de rémunération, qui sont plus du tout dans des logiques de mission et de service de l'intérêt général. Mais vous auriez un élu en face de vous, vous auriez quelqu'un qui est, qui est maire, qui est député, vous lui tiendrez ce discours et vous direz mais enfin vous racontez n'importe quoi. Moi, ah bah, je suis au service pense, je suis au pense. Pense. de mes bah, concitoyens il va je, se défendre mais, je va vais se se défendre, des mais dossiers, la majorité je... des Français l'immense majorité des Français ne le pensent pas il euh, y a encore eu une étude via Voice il n'y a pas très longtemps euh, qui montrait exactement la même chose, 80% des Français pensent que les dirigeants politiques ne sont plus au service de la collectivité, ne pensent qu'à se servir donc je ne fais qu'exprimer absolument, absolument ouais. lise, lisez les enquêtes monsieur Apathy pas parce que, je, non, non, je non, ne non, fais qu'exprimer la frustration oui. des Français une autre pensent. ce n'est pas parce, une parce une que les des étude, gens étude. le pensent et le disent dans des sondages que par exemple ils ont ce rapport là avec leurs élus alors, ce, ce que je trouve... Les, les élus locaux gardent... Les un élus peu locaux violent gardent, dans Le discours ce matin, c'est le côté, je l'ai dit tout à l'heure, mais lance flamme Tous les, pourris les, Non, dit on ne dit pas tous pourris. Il y a des gens de qualité partout. J'écoute là les deux premières non, non, minutes, c'est violent. Il hein. y a des gens de qualité partout. Et je veux dire, dans les partis politiques, il y a des gens de qualité, en particulier à la base. Les élus locaux, les gens qui s'investissent comme élus municipaux, sont des gens qui font preuve d'une totale abnégation. Est la tête qui est mais il y a une très grande schizophrénie. Je dis pas pourris, je dis juste parce que le système veut, le système est que quand on peut se représenter indéfiniment, quand il n'y a aucune limite de mandat dans la durée, quand il n'y a aucune limite de mandat dans le temps, on a des comportements qui sont inappropriés. On a des gens qui ne pensent qu'à se faire réélire à tout prix, qui ne parlent pas des vrais sujets et qui, une fois élus, ne prennent pas de mesures fortes et ne, et ne font pas bouger le pays. Regardez la situation dans laquelle on est. Vous avez une étude qui montrait récemment que 61% des jeunes français de 18 à 35 ans sont prêts à participer à des manifestations violentes. violentes. Il y a un niveau de frustration considérable. Regardez ce qui s'est passé avec les bonnets rouges. Regardez une euh, une moine, la moindre étincelle aujourd'hui peut enflammer le pays. Pourquoi Parce que le pays ne bouge pas, le pays ne se réforme pas et il n'y a pas de résultat. Et vous, vous savez comment faire Alors, sur les questions d'emploi, je connais par cœur. Euh, J'ai la chance effectivement d'avoir euh, créé deux entreprises à partir de rien. J'ai commencé à 27 ans avec 10 000 euros, euh, qui sont devenues toutes les deux des leaders mondiaux. Donc sur les questions d'emploi, effectivement, je connais bien les sujets, les gens qui m'entourent aussi. Alors, qu sur qu faut les faire, questions, supprimer les 35 heures, euh, alors, réguler sur les... le marché sur... du travail. Sur, euh... sur les questions d'emploi, on, con... on connaît les verrous. Il y en a très nombreux. Il y a bien sûr un droit du travail qui ne fonctionne pas. Quand vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous avez la main qui tremble quand vous signez un CDI. parce que si vous devez le déboucler à un moment donné pour quelque raison que ce soit, ça se passe pas bien avec l'employé, le contexte économique le justifie. Eh bien, ça sera très très compliqué et très coûteux et vous pourrez avoir jusqu'à 100 000 200 000 300 000 euros d'indemnité à payer pour une PME c'est la fin en général et donc on signe plus de CDI et donc là la conséquence immédiate c'est une France à deux vitesses vous avez d'un côté les gens qui ont leur CDI qui sont très protégés et de l'autre les jeunes qui vont galérer, de stages en CDD, en emploi précaire, et puis des personnes âgées aussi, qui des personnes à partir de 50 ans, qui ne retrouveront pas d'emploi, qui seront consultants, qui seront managers intérimaires, qui seront euh, euh, auto entrepreneurs. On peut dire etc. que votre offre politique de nipper est une offre assez classiquement de droite ou de droite libérale peut-être. On peut le dire ou, ou pas non, ben non parce que moi le libéralisme je connais pas. Vous savez moi je viens du monde de l'entreprise, euh, qui est le monde du résultat et de l'efficacité. C'est la seule chose que je connaisse. Nous on ne croit pas aux idéologies. Elles ont fait beaucoup de mal à notre pays. Nous la seule chose à laquelle on croit, c'est quelques valeurs. Nous, on se veut européens, on pourra en parler si vous voulez, républicains, humanistes. Toutes les propositions qu'on fait, on place l'être humain au cœur des propositions. On veut réconcilier solidarité et prospérité. C'est très ambitieux et ce n'est pas ce qui se passe du tout en France aujourd'hui. On croit à une vraie solidarité qui se préoccupe des plus vulnérables, des gens qui dorment dans la rue. Pas une pseudo-solidarité à base de régimes spéciaux en tout genre, de gens qui partent à la retraite à 50 ans à peine révolus. Et on croit à la nécessité de créer un environnement prospère. Pour financer cette solidarité et pas la financer à crédit en endettant nos enfants et nos petits enfants comme on Donc le fait aujourd'hui. Vous aujourd présenter des listes pour les élections européennes, nous citoyens, difficile de vous faire entendre sans doute. Il y a par exemple 31 listes en Ile-de-France. Comment vous pouvez. Alors difficile de nous faire entendre si. Parce que, faire un résultat. Bah, bah, écoutez, on verra. C'est l'occasion de nous faire connaître un peu plus. On n'a que 7 mois d'existence. En 7 mois, on a quand même déjà 10 000 adhérents. On est un des 10 premiers mouvements politiques français. Et effectivement, on a réussi à présenter 7 listes dans les 8 circonstances. Le nombre circonstances. de gens Donc, optimistes euh... au lancement d'un mouvement politique, on en a vu beaucoup. Hein. Bah, écoutez, Après, je pense qu'aujourd'hui, on, on a le devoir d'essayer. Les Français ont le devoir d'essayer. Le réveil citoyen, il a lieu. Moi, je le vois tous les jours partout en France actuellement. Le but pour vous, c'est d'être candidat en 2017. À élection présidentielle Alors, le, le but en 2017, c'est qu'il y ait un vrai débat, c'est qu'on sorte du déni, c'est qu'on n'ait pas le déjeuner sur l'herbe comme en 2012 avec, avec Hollande et Sarkozy euh, qui ne parlaient pas des vrais sujets, qui étaient dans le déni, qui, dé, qui, dé, qui dénonçaient, je vais vous le dire, qui, dé, <laughs> qui dénonçaient les boucs émissaires. Nous, ce qu'on dit en 2017, on dit deux choses. Dites, dites -le soit, parties, soit les partis les partis de gouvernement reprennent nos idées, on les soutient, mais s'ils si changent les têtes, s'ils si mettent des leaders différents, et si ça ne se passe pas, on ira, et je serai probablement candidat. Ah voilà donc vous l'avez dit et voilà donc Denis Père, président de Nous Citoyens candidat pour l'instant aux élections européennes vous êtes dernier de liste je suis dernier de, de liste parce voilà. que voilà nos candidats s'engagent à ne faire que ça parce qu'une liste. liste on la tire ou on la pousse donc vous êtes <laughs> l'invité d'RTL ce matin bonne journée merci, merci Denis Père. bonne journée à vous merci Jean-Michel bonne journée